Elle est trop chou. Elle est trop choupie. Ah oui, là, les dragons, ils en ont fait des œufs. Hein. Alors qu'on voit pas une seule dragonne. Je demande une explication. Attrapez-la ! Arrêtez-la ! On a vu Spyro qui attendait quand même. Je suis pas sûre que t'as envie de la connaître. Si, je veux savoir. Nous avons réussi à capturer les œufs, votre majesté. Tous jusqu'au dernier. Excellent. Finalement, vous servez peut-être à quelque chose. Maintenant, allez garder les tunnels. Empêchez quiconque de passer. C'est un peu raté déjà. Un sauvetage désespéré commence. Où sont les œufs? Les passages vont à l'autre bout du royaume des dragons. Nous avons retrouvé des œufs, mais ils étaient trop lourds pour qu'on les rapporte. De l'autre côté du monde? Les mondes oubliés. Spyro, tu dois y aller. Personne d'autre ne peut traverser ces passages. Oui, allez, en avant! Trouve les œufs et rapporte-les, Spyro. Tu es notre seul espoir. Je m'en occupe. Bien, Spyro 3. C'est pas mon préféré de la trilogie. Mon préféré, ça restera quand même toujours le deuxième, parce que c'est par celui-là que j'ai commencé, quand j'étais plus petit. C'est le premier Spyro que j'ai découvert, Spyro 2. J'avais... En vrai, mon tout premier Spyro, c'est Spyro 1, mais c'était juste la démo qu'on obtenait dans Crash Bandicoot. Je sais plus lequel. Crash Bandicoot 2, je crois. Mais j'ai vraiment commencé à jouer au Spyro avec Spyro 2. Donc du coup, j'ai un énorme affectif avec Spyro 2. Après, j'aime beaucoup Spyro 1 aussi, parce que je l'ai beaucoup fait aussi. Juste après avoir beaucoup fait le 2. Et Spyro 3, c'est celui que j'ai le moins fait, parce qu'on m'avait prêté le CD un peu tard, mais ça m'a pas empêché de le faire. Mais c'est celui que je connais le moins bien. Salut Spyro, au revoir Zoé. C'est celui que je connais le moins bien. Mais je l'aime quand même, mais un peu moins que les autres, quoi. C'est toi qui dois sauver les œufs, hein? Comme c'est triste. Écoute bien, dragon. Si tu sais ce qui est bon pour toi, tu vas faire demi-tour et retourner dans ton trou. Ces œufs nous appartiennent maintenant, et je les ai si bien cachés qu'un millénaire ne suffirait pas à les retrouver. Et même si tu en trouvais, nos armées parfaitement entraînées te poursuivraient pour les reprendre. J'ai été claire? Si je te revois ici, je serais très en colère. Et tu n'aimerais pas me voir en colère. Elle est trop mignonne pour être prise sérieusement. Et puis, excuse-moi, mais ton œuf, il était vachement bien gardé, là. Vraiment. Par contre, ouais, sa voix, elle est très bien dans le remake. Ça, j'avoue, la voix de Bianca, elle est vachement bien dans le remake. Après, le 3, je le trouve intéressant parce qu'il y a quand même des bonnes idées. Il y a des mondes qui me font un peu chier, par contre. Des fois, le gimmick des personnages, des autres personnages, c'est un peu relou. Genre, le Capitaine Pingouin, ses niveaux, ils sont un peu chiants parce qu'ils se contrôlent comme un... comme un caca.
Le Yeti me dérange pas trop, même s'il est lent. Oh, le combat de boxe, c'est saoulant. Oh, par contre, ça. Oh, putain, le combat de boxe. Mais, j'aime bien quand même Spyro 3. C'est juste que ma liste, c'est Spyro 2, Spyro 1, Spyro 3. Voilà. T'as passé tellement de temps sur le combat de boxe, ça donne... Ça donne confiance déjà. Et t'as regardé une streameuse qui est passée encore plus de temps, vraiment horrible. Chouette. Ça confirme mes craintes que le combat de boxe sucks. Non. D'accord, je vois. Voilà, comme ça j'enlève les dialogues, comme ça ils arrêteront de me parler. On va faire le truc de chasseur ici. Hé, hey, Spyro. Hé, hey, chasseur. J'ai vu quelque chose briller dans cette grotte. J'avais presque oublié. J'ai trouvé cet œuf. Coltrane. Ils ont l'air abrutis, les bébés dragons. Mais genre abrutis. Ils sont censés être mignons. Oh, on peut pas gruger. Eh, hey, vous avez vu un peu comment j'ai géré? Deux petites secondes. Hein. Alors, maintenant on peut ramasser les gemmes. Oh, il y a des petites pierres dans l'eau, c'est joli. C'est un. Alors, on a fait le tour par là. Il me reste plus qu'à aller nettoyer ce qu'il y a dans l'eau. Allez. Comment tu fais du bruit sous l'eau?
Je crois que j'ai tout ramassé. Je crois que j'ai tout. Oui, je sais, mais plus tard. Ok, donc là c'est bon, il reste près du portail. Non, il n'y en a pas ici, donc il y en a là-bas. Pas de soucis, à tout à l'heure. Et bonne course du coup. Et voilà! On a tout clear. Nice! Alors, je vais juste vous faire un petit BRB vite fait. Je vais vous mettre de la musique de fou. Il faut juste que je switch mon écran vite fait. J'en ai pas pour longtemps, vraiment. Ça prendra même pas 5 minutes. Hein. Hop. Alors, c'est pas ce dossier-là. C'est pas ça. C'est ça. J'en ai pour quelques minutes. Je serai pas très long, c'est promis. Je reviens dans pas longtemps.